J'ai 15 ans et j'habite à Val-d'Isère toute l'année, en cette station de ski sans neige. Moi j'ai un rêve de gosse, c'était devenir pro skieur. Puis j'y crois encore un peu et j'essaie de progresser comme je peux. This is the opening day of the ski season right here in Val d'Isère. But like Leo said, this is a ski resort without snow. The resort actually had to resort to snow-making machines for opening day. Moi ce que j'en pense c'est que qu'il y ait de moins en moins de neige, c'est surtout par rapport au phénomène de réchauffement de la planète. Pendant les 5 dernières années, il y a vraiment eu de moins en moins de neige, alors qu'il y a 15 ans, il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de neige ici à Val d'Isère. I wanted to know how olives were pressed for olive oil. So we asked Raphael, president of the Ministry of French Olive Growers. Les olives sont arrivées, amenées par les agriculteurs. Donc ces olives passent dans le premier bac, où elles sont lavées. Ensuite, elles sont triées, c'est-à-dire que les feuilles partent d'un côté et que les belles olives propres vont être malaxées pour faire une pâte uniforme qui... The olives are ground to a paste, then stirred, mixed and kneaded for about 20 minutes to truly release all the fragrance of the olive. The oil is contained within the paste, and in the paste is the pulp, the oil and the pits. That paste is sent through a centrifuge, which spins the paste and separates the pulp and pits from the water, which comes out one side, and the oil, which comes out the other side, pure, virgin olive oil. Et de l'autre côté, l'huile pure, vierge, qui est le pur jus de fruit de l'huile d'olive. Je vis à Angers toute la semaine. Et je suis asthmatique, alors j'ai beaucoup de mal à respirer. Parce que je ressens les toxines ou les voitures, quoi.